Pas de chance, il y a un embouteillage droit devant. On ne peut pas se permettre d'être pris dedans. Il faut à tout prix qu'on trouve un moyen de le contourner. Blaze, Watts, regardez, un souterrain. On pourrait le prendre pour passer sous ce gros embouteillage. Ce serait idéal, en avant. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'il fait sombre là-dedans? Je n'y vois rien du tout. Je peux arranger ça. Charge électrique maximale! Non, d'un enjoliveur! On est dans une station de métro! Waouh! Trop classe, les voies! Ce sont des rails spéciaux qui alimentent en électricité les rames de métro pour les faire avancer! Il y a du courant qui passe dans les voies du métro. Quand les essieux entrent en contact avec les rails, l'électricité fait marcher le moteur et la rame peut rouler. Super! L'électricité, on en a! La seule chose qui nous manque, c'est une rame. Ça y est, je suis un wagon de métro. Monster Machine. Wow. Ouais. C'est vraiment génial. On va rattraper Jay et Gabby en un rien de temps. Oh oh, tu vois ce que je vois? Il y a du matériel qui bloque le passage sur la voie. Vite, Blaze! Il va falloir que tu sautes sur une autre voie. Aide-nous à choisir la voie sur laquelle on doit aller. Laquelle des trois n'a pas d'obstacle? La voie jaune? La bleue? Ou bien la rouge? La rouge, c'est bien ça! Il n'y a rien qui gêne dessus. Rampote-toi, Watts! Et voilà! Ça recommence! Il faut choisir laquelle? La voie jaune! À toi de jouer, Blaze! Y'a qu'à demander! On a réussi à passer! Mesdames et messieurs, les camions! Le moment tant attendu est arrivé! Place à la course! Bien! Est-ce que les concurrents sont prêts? Moi, oui! De toute façon, il n'y a que moi! À vos marques! Prêt? Hein? Stop! Attendez une seconde! Non! On n'attend pas! Se pourrait-il que... J'espère pas! On va la Blaze et Jay, ainsi que Watts et Gabby. Oh, ils sont de retour! Concurrents, à vos marques! Attention, prêt? Juste derrière moi, je dois les empêcher de me dépasser. Il faut que je triche. Oh, attention devant. Crusher a mis un barrage sur la piste. Pas grave, c'est pas ça qui va nous arrêter. Hey Jay, Gabby, appuyez sur les champignons. Vainqueur, quelle performance électrisante! Une course sous haute tension du début à la fin. Vous serez d'accord avec moi pour dire que ces champions ne manquent pas de jus. Waouh! Cet endroit est incroyable. Mais on est où exactement? Vous êtes sur l'île des animaux. L'île des animaux. Bienvenue sur l'île des animaux. Salut, voici Buck l'éléphant. Je suis très heureux de faire votre connaissance. Ma trompe est belle, donc pas touche, sinon tu prends une bonne douche. Coucou, moi c'est Bam, je suis une gorille. Mes bras très puissants me sont très utiles. Moi jolie faucon, ce que j'adore c'est voler. Le vent dans mes plumes, ça me fait planer. La fête ne fait que commencer. Chez nous, t'es chez moi, viens t'amuser. Bienvenue. Salut, salut. Je les animaux. T'as vu comme c'est trop beau? On sait que tu vas faire ici. Nous on vit dans un paradis. Bienvenue. Connu ou inconnu? Alors, t'as pris ton maillot? Les amis, on n'en a jamais trop. Alors bienvenue sur l'île des animaux. Allez, précédent du hip-hop blues. Hé, hey, les singes, ça déménage? Ma compréhension est communément en plus. Hé, hey, Rhino, t'as l'air costaud. Mes cornacs et ratines sont un sacré bonus. Le crocodile, j'adore ton style. Ma redoutable mâchoire fait trembler la pâte au joueur. Toi, grenouille, t'as la trouille? Je n'ai pas peur car mes sauts m'offrent un échappatoire. Bienvenue. Salut, salut. Ça trouve, c'est chaud. On sait que tu vas plaire ici, alors bienvenue. Sur l'île des animaux. Bienvenue sur l'île des animaux. Non, d'un ange Oliver. Quelqu'un pique tous les pouvoirs des animaux. Mais enfin, qui oserait faire une chose aussi affreuse? On va vite le découvrir grâce à ma visière. Oh, c'est Lazare. Il a volé tous nos pouvoirs. La force du rhinocéros, l'agilité du singe, le mordant du crocodile. Je possède enfin tous les pouvoirs. Oh non! Lazare nous a tout piqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Ne vous en faites pas, les animaux. Avec mes amis, on va vous rendre vos capacités. Ah, oui, vous pouvez compter sur nous. Dépêchons, il faut vite rejoindre cette cabane dans les arbres. Attention, Blaze! Oh, c'est pas vrai! On n'était plus qu'à un pneu de récupérer ses pouvoirs animaux! Mais il y a certainement un moyen de se sortir de ces cages rebondissantes! Seul un animal a les ressources nécessaires pour se sortir d'un piège de ce genre! Le lion! Oui! Les lions ont des griffes rétractiles! Quand ils en ont besoin, ils peuvent les sortir. Les griffes des lions leur servent à grimper et à chasser. Et elles seront parfaites pour déchirer le treillis de ces cages. Oh ouais! Je suis un lion! Monster machine! À ton tour, Stripes! Je suis Stripes, le super tigre! Tu es prêt à sortir tes griffes, super tigre? Je suis prêt! Alors montrons à ces cages ce qu'un lion et un tigre sont capables de faire! Et voilà! Oh non, ne restez pas là les pattes croisées! Lancez d'autres cages rebondissantes! Oui, chef! Temps de rendre à nos amis les pouvoirs animaux qu'ils ont depuis toujours. Je peux voler! Ma trompe! Oh, elle fonctionne à nouveau! De retrouver toute sa force. Nos pouvoirs sont de retour. Robot ours, un, deux, trois. Vole ce badge et donne-le-moi. Un ours, ours. Il faut qu'on s'en aille, fuis ça. Nom d'un badge. Crusher a créé un ours robot pour voler le super badge du courage. Robot ours, fais tout ce que je lui demande. Avec ma musique, c'est moi qui commande. Pour arrêter l'ours, il faut qu'on joue de la musique encore plus fort que lui. Comme ça, c'est nous que l'ours écoutera et pas Crusher. Oh oh! Cette guitare électrique n'est pas aussi forte que l'accordéon de Crusher. Je sais ce qui pourrait augmenter le son de notre guitare. Un amplificateur. Les amplificateurs prennent le son de base et ils le rendent super fort. Tous avec moi, on va en fabriquer un. Déjà, il nous faut un câble audio pour que le son puisse se déplacer de la guitare à l'amplificateur. Pour faire le câble audio, dis câble audio. Câble audio. Génial! Maintenant, on a besoin d'enceintes. Les enceintes amplifient les ondes acoustiques pour qu'on entende bien la musique. pour m'aider à les fabriquer dit enceinte. Enceinte! Pour finir, il nous faut un bouton de volume. Quand on tourne le bouton de volume, les ondes acoustiques sont de plus en plus grandes et la musique est plus forte. Pour faire apparaître le bouton de volume, dit bouton de volume. Bouton de volume! C'est bien! Je suis un amplificateur Monster Machine! Ça va être rock'n'roll! Arrête l'ours, écoute-moi chanter. Repose le badge là où tu l'as trouvé. Oh! Waouh! Tu as vu ça, Crusher? La musique de Blaze est encore plus forte que la tienne! Quoi? On va voir s'il arrive à jouer plus fort que moi. Ne l'écoute pas, je joue le plus fort. Mais non, Crusher, j'ai un amplificateur. Allez, il faut qu'on aide Blaze à faire un son encore plus fort. Le volume de l'amplificateur est à 4. Mais on peut l'augmenter jusqu'à 11 pour que ce soit super fort. Compte jusqu'à 11 avec moi. On commence à 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a assuré! Oh! Yeah! Tu as réussi, Blaze! Blaze, arrêtez, ours! T'as été très courageux! Merci beaucoup, les amis. Mais le plus important, c'est que le super badge du courage ait enfin retrouvé sa place. En fait, Blaze, je crois que le super badge du courage n'est plus vraiment à sa place ici. Hein? Quoi? Ranger Blaze, tu as été super courageux d'affronter l'ours robot pour récupérer le badge. C'est pour ça que tu l'as bien mérité. Wow! T'as réussi, Blaze! T'as gagné le super badge du courage! Oh, ça y est, maintenant j'ai les 3 badges! Plus qu'une seule pierre à retrouver, ma pierre précieuse rouge, et je retrouverai enfin tous mes pouvoirs magiques. Je me demande où elle a atterri. Vous savez quoi? Je vais activer ma visière pour voir où elle est. Allez, je passe en mode projection. Elle doit être quelque part dans cette oasis. Dès que tu vois la pierre précieuse rouge, dis pierre précieuse. Pierre précieuse. Wouh! J'arrive tout de suite, pierre précieuse! Je vais utiliser ces nénuphars pour traverser cette étendue d'eau. Oh, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est un nénuphar volant. Ah la kazoum! C'est un crocodile! Je vais te sortir de là! Oh, oh. Oh. Merci, Blaze. Ah, comment va-t-on récupérer la dernière pierre précieuse si l'eau est infestée de crocodiles? Eh, j'ai remarqué un détail. Regardez, certains de ces nénuphars sont identiques des deux côtés. Ils sont symétriques. Mais les crocodiles n'aiment pas les nénuphars symétriques. Ils se cachent sous ceux qui ont des côtés différents. Donc, si on veut éviter les crocodiles, il suffit de sauter sur les nénuphars qui sont parfaitement symétriques. Oui, aide-nous à choisir. Lequel de ces nénuphars a 2 côtés identiques? Celui-là, oui. Ces 2 côtés sont symétriques. Suivez-moi, les amis. Oh, génial. Aucun crocodile sous celui-ci. Trouvons maintenant notre prochain nénuphar. Lequel de ces nénuphars est identique des 2 côtés? Celui-là. Tu as raison. Wouhou! Encore un bon choix. Bah... Un tout dernier saut et je serai assez proche pour pouvoir récupérer ma pierre rouge. Regarde attentivement. Lequel de ces nénuphars est symétrique? Celui-là. Oui. Ces deux côtés sont parfaitement identiques. On dirait bien que je peux enfin attraper ma pierre précieuse rouge. Bravo! Ça a l'air de te faire plaisir. Génie, on va devoir régler un dernier problème. Oh, lequel? On dirait que les crocodiles tiennent à cette pierre précieuse. Oh non! Ne t'en fais pas, Génie. On va repartir de cette petite île à toute vitesse, grâce à la vitesse explosive. Oh, fantastique! Pour qu'avec le génie, on passe à la vitesse explosive, dit fonce Blaze! Fonce Blaze! À la prochaine, les crocodiles! J'ai enfin pu récupérer toutes mes pierres précieuses magiques. Oh, vraiment merci Blaze et AJ. On t'a aidé avec plaisir. Allez Génie, il est temps de remettre cette dernière pierre précieuse à sa place. Tu as raison, il est grand temps. À la casse! Mes pouvoirs magiques sont de retour. C'est génial. Résultat, je peux à nouveau exaucer n'importe quel vœu. Super. Alors quel vœu on pourrait faire? Quel que soit le choix qu'on fera, il faut que ce soit grand. Grand? D'accord, c'est noté. Et amusant. Et super amusant. Et que ce soit quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. Oh, je crois que j'ai trouvé. À la casse! Wow! C'est un gâteau géant avec un circuit dessus. C'est un gâteau circuit automobile. Comme ça, vous pouvez faire des courses et manger en même temps. À la casoum! Oh ouais! À vos marques. Ouais. Parti! Et voilà! On y est presque. Il ne reste plus qu'un mur de gâteau. Le mur de tarte. Oh, toutes ces tartes sont super lourdes. La tractopelle a besoin de plus de force. La tractopelle tire sa force de ses pistons hydrauliques. Et pour soulever toutes ces tartes, elle a besoin d'une force de 10. Allez, compte jusqu'à 10 avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai réussi. Heureusement que j'ai eu toute cette force supplémentaire. Regarde, Blaze! Voilà les robots pâtissiers! Vite! Il faut les éteindre! Et voilà! Plus de folie pâtissière pour toi! Joli travail, Blaze! Mais qu'allons-nous faire de tous ces gâteaux? Peut-être je peux vous aider? Oh! C'est Débris. Oh, c'est un gros chantier. Débris est un camion poubelle. Il peut nous aider à nous débarrasser de ces gâteaux, n'est-ce pas, Débris? Ouais, c'est ce que je fais. On me remplit et j'emporte tout. Ça, c'est ce que j'appelle un nettoyage. Content d'avoir travaillé avec vous, les gars. Au revoir, Débris. Et merci. éteindre ce robot pâtissier, et vite! Mais comment faire sans se faire écraser par des gâteaux géants? Je sais! Il faut étudier leur trajectoire. Activation de la visière. Un gâteau va atterrir sur la couverture rose, un sur la couverture violette, et un autre va atterrir sur la couverture bleue. Ça veut dire que nous serons en sécurité si nous restons sur la couverture rouge. Ah oui! Continuons d'avancer. Attention, Blaze! Le robot pâtissier va lancer d'autres gâteaux. Regarde attentivement les lignes de trajectoire. Quelle couverture ne va pas recevoir de gâteau? La violette, oui! Bien vu! Dépêche-toi, Blaze! Ouais, on y est presque! D'autres gâteaux arrivent! Vite! Quelle couverture ne va pas recevoir de gâteau? La bleue! Ouais! Pas une miette sur nous! Vas-y, Blaze! C'est notre chance d'atteindre le bouton! Et voilà! On a éteint le dernier robot pâtissier! Bravo, Blaze et AJ! Bravo, bravo! Blaze, AJ, c'était formidable! Vous avez arrêté tous les robots pâtissiers! Comment pourrais-je vous remercier? Oh, c'est rien du tout! Oui, c'était vraiment du gâteau! Blaze? Qu'allons-nous faire de tous ces gâteaux dans le parc? Je sais! Avec la vitesse explosive, on pourra nettoyer tout ce chantier super vite! Pour me faire enlever les gâteaux super vite, dis... Fonce Blaze! Fonce Blaze! Fleurs. Zeg a des cheveux spaghettis. Pneus rebondissants veulent pas s'arrêter. Encore une dernière touche de glaçage et voilà. Ce camion dino bondissant se dirige droit sur mon gâteau. Quelqu'un doit l'arrêter. Non d'une durite! Il faut arrêter ces pneus rebondissants et vite! C'est notre dernière chance d'utiliser l'adhérence! J'ai une idée! Et si on se servait de ciment à prise rapide? Oui! Le ciment est parfait pour l'adhérence! Parce que quand il sèche, il devient très dur! Mais pour faire du ciment, il nous faut... une bétonnière! Allez! Avec ton aide, nous pouvons me transformer en bétonnière! D'abord, il nous faut une spirale de mélange pour remuer les ingrédients du ciment. Pour en fabriquer une, dis « spirale de mélange ». Spirale de mélange! Bien! Ensuite, il nous faut un tambour rotatif pour contenir les ingrédients et les mélanger encore mieux. Dis « tambour rotatif ». Tambour rotatif! Et enfin, il nous faut une glissière d'évacuation pour verser le ciment quand il sera prêt. Dis glissière d'évacuation. Glissière d'évacuation! Je suis une bétonnière Monster Machine! Vite, Blaze! Il faut se dépêcher de verser le ciment. Wow! Zeg arrive à pâtisserie! Je ne veux pas voir ça! Le ciment est mélangé et prêt à être versé. J'ai besoin de ton aide. C'est notre dernière chance d'arrêter ces pneus rebondissants. Crie, versez le ciment. Versez le ciment. Yeah! Est-ce que le ciment a arrêté les pneus rebondissants? Oui! Oui! Bravo! Plus de bons dans tous les sens! Ouf! Nous avons trouvé une solution au problème juste à temps. Maintenant, nous le savons. Le ciment à prise rapide est assez collant pour arrêter des pneus rebondissants. Zeg remercie Blaze et AJ. Faut avoir sauvé Zeg. Ah, mais il n'y a pas de quoi, mon ami. Qu'est-ce que tu dirais si on te trouvait un nouveau jeu de pneus? Oui! Des pneus qui ne rebondissent pas. Zeg aime cette idée. Zeg approuve. Et voilà, Zeg. 4 nouveaux pneus. Qu'est-ce que t'en dis? Nouveaux pneus, ça bon! Regardez, pas rebondir. Oh, 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 oh. Hey Blaze, qu'est-ce qu'on va faire de ces pneus super rebondissants? Oh, j'ai une idée pour nous en débarrasser. Attends, Riss, nous avons quelque chose à recycler pour toi. Ok, ça marche. Bonne idée, Blaze. Maintenant, plus personne n'aura de soucis avec ces pneus rebondissants. Merci de ton aide, Riss. Oh, y a vraiment pas de quoi. Adieu, pneus rebondissants. Hey, regarde là-bas, c'est la tour de Crusher et Pickle. Génial, on est presque arrivés. Hein? C'est toi qui as fait ce bruit, Stripes? Non, ce n'était pas moi. C'est toi qui as fait ce bruit, Starla? Pas du tout, monsieur. Est-ce que c'est toi qui as fait ce bruit, le mouflon? Le mouflon? Nom d'un pare-choc! C'est le tunnel d'un mouflon! Oh mince! Inutile de retourner dans ce tunnel, puisque le mouflon va encore nous repousser dehors. Sauf si on le pousse plus fort. Mais qui pourrait pousser plus fort qu'un mouflon? Moi, je peux le faire. Je suis un bulldozer, la plus puissante des machines qui permet de pousser. Yeah! Vas-y, fonce, Blaze, le bulldozer. Poussons à fond. Aidons Blaze, le bulldozer, à pousser plus fort que le mouflon. Le mouflon pousse avec une force de 2. Il nous faut donc une force supérieure à 2. Quel chiffre est supérieur à 2? 1 ou 4? 4, c'est ça! Oliver, voilà le plus grand des grands frères de ce grand mouflon. Wow! Vite! Il faut qu'on aide Blaze à réunir un maximum de force de poussée. Les mouflons poussent avec une force de 9. Lequel de ces nombres est supérieur à 9? 10! Eh oui! Blaze, tu nous as permis de traverser le tunnel. Maintenant, on va pouvoir sauver Crusher et Pickle. Super constructeur, super sauveur. Oh, oh, oh non. La tour. Il faut qu'on trouve un moyen pour faire descendre Crusher et Pickle. Vite, dessinons un plan. Et si on faisait quelque chose de grand et d'incliné pour qu'ils puissent glisser du haut de la tour? On va bâtir un super toboggan géant. Dépêchons-nous, les amis. On ferait mieux de construire ce super toboggan super vite. On va se servir de la vitesse explosive. Youhou! Ouais! Pour nous donner de la vitesse explosive, dis fonce Blaze. Fonce Blaze. C'était avec plaisir. Et c'est la preuve que quand on a de super coéquipiers, plus rien ne peut nous résister. Et maintenant, allons tous faire du toboggan. Génial. Hé, allez, viens, Crusher, on va retourner faire du toboggan. Eh bien, pourquoi pas? Il n'y a aucune raison de ne pas... Accrochez-vous bien, c'est l'heure d'utiliser mes serres. Attention! 4 cristaux viennent de tomber. Et encore 2 de plus. Ça fait combien de cristaux en tout? 6. Compte jusqu'à 6 avec nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super! Bien joué! Non d'une turite! Elle est juste là! La super course céleste! Regardez! C'est Blaze! C'est un faucon maintenant! De la roue jusqu'au capot! Wow! Ça... wow! Alors, Blaze, tu vas faire la course avec nous? Oh oui, carrément. Génial. Tu n'aurais pas oublié un détail, Blaze. Tu ne peux pas concourir parce que tu ne peux pas voler. Oh, que si je peux, feu du ciel. Car maintenant, je suis un faucon. Eh bien, c'est ce qu'on verra. Est-ce que tout le monde est là? À vos marques! Prêt? Voler! Oh, cool! Wow! Tu voles trop bien, Blaze! Comment tu gères? Je le savais! Je suis imbattable! Car je suis feu du... Quoi? Blaze m'a dépassé! Oh non, non, non! Je ne le laisserai pas gagner! Feu du ciel! Non, Feu du ciel nous a dépassés! Regarde, il est presque à la ligne d'arrivée! Pas grave, on peut encore le battre! Mais j'ai besoin de voler super vite grâce à ma vitesse explosive. Ouais! Pour aller à la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Feu du ciel! Ouais! On a gagné! Blaze, le Faucon a réussi! Il remporte la super course céleste! Génial, Blaze! Joli! Ouais, tu nous as épatés! Merci à vous tous! Hé! Hey, toi! Oh, c'est Feu du ciel! J'ai quelque chose à te dire! Félicitations! Tu voles super bien, t'es un as! Ah, merci, Feu du ciel! Les gars, on va faire un petit tour? Vous venez avec nous? Carrément! Ouais! On arrive tout de suite! Génial! Hé! Hey, attendez-moi! Joli saut, Blaze! On est presque arrivé au moteur à vitesse explosive! Si on continue comme ça, on devrait y être dans... On dirait qu'il nous faut un autre moyen de propulsion. Je suis sûr qu'en regardant autour de nous, on peut en trouver un nouveau. Hé! Hey, servons-nous du vent! Il peut nous aider à nous propulser. Le vent, ouais! Certains véhicules, comme les bateaux à voile, se déplacent grâce au vent. Celui-ci pousse la voile et produit une force qui permet au bateau de bouger. Wouhou! Je suis un catamaran monster machine! Wow! Testons la propulsion obtenue grâce au vent! Génial! Elle se passe tout en douceur, cette traversée en catamaran. Attention, un crocodile! Le crocodile va nous rattraper! Le crocodile se déplace à la vitesse de 5 km/h. Et je me déplace à 3 km/h. Qui se déplace le plus vite? Le crocodile! Parce que 5 est supérieur à 3. Ah! Il nous faut plus de propulsion pour avancer plus rapidement. Vite, hissons une deuxième voile. Tu as vu ça? Grâce à la deuxième voile, j'avance à 7 km/h. Et maintenant, qui est le plus rapide? C'est moi! Eh ouais! Wouhou! Oh non, Blaze, regarde! C'est sur cette montagne que ton moteur a atterri! On ne peut pas y aller en naviguant. Mais on peut peut-être y aller en rebondissant! Génial! Propulsion au ballon de plage! Crusher a presque atteint le sommet! Il va bientôt s'emparer du moteur à vitesse explosive! Il faut absolument que je récupère mon moteur avant que Crusher n'y arrive! Comment tu vas faire? Tu ne peux pas rouler? Pas moyen de rouler, mais peut-être que je peux voler! Voler? Je peux obtenir la propulsion nécessaire grâce à ces rotors. Waouh! Vite, allons les chercher! Oh ouais! À moi! Enfin, le moteur à vitesse explosive, rien que pour moi. Wow. Oh. Désolé, Crusher, tu ne peux pas prendre ce moteur, il est à moi. Oh. Non, 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 non. Tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est remettre le moteur à sa place. Magnifique! Oh, ouais! Tu peux être fier de toi! Tu as enfin récupéré ton super moteur à vitesse explosive! Ça vous dit de refaire un petit tour? Mais avec la vitesse explosive cette fois! Pour me donner la vitesse explosive, dis... Fonce Blaze! Fonce Blaze! Yeah! bleu. Ah, aucun doute possible, c'est la vitesse explosive. Bonsoir Blaze. Yeah. Ouah. À éteindre le premier robot. Blaze ! Par ici ! Vite ! Il faut qu'on aille à des Stripes, ces stars-là. Nom d'un ange Oliver ! Ce robot est affublé de 5 boutons. Alors pour l'éteindre, il va nous falloir 5 boules de neige. Ah, moi, j'ai 2 boules de neige. Et moi, j'en ai 3. Est-ce que ça fait 5 boules de neige? Ouais. Il ne reste plus qu'un robot à éteindre. Et il est juste ici. Eh ben, je peux vous dire qu'il jette beaucoup de boules, ce robot. Regarde, il possède 6 boutons. Donc pour l'éteindre, il va nous falloir 6 boules de neige. Tiens, j'ai déjà formé toutes ces boules. Est-ce qu'il y en a 6? Non, il n'y en a que 3. Ouh! C'est qu'en avoir fait une de plus. Ah, moi aussi. Est-ce qu'il y a 6 boules? Hein, hein, il n'y en a que 5. Et voilà, une boule de neige en plus. Est-ce qu'on en a 6 maintenant? Oui. Que tout le monde prenne une boule de neige et vienne avec moi. Ouais. Éteindre tous les robots géants. Zeg adorait les batailles de boules de neige. Oh oh, regardez, c'est Crusher. Chocolat chaud, chocolat chaud. C'est pas vrai. Il va bientôt atteindre nos tasses. Il ne nous reste plus qu'une seule chance pour arriver au chocolat chaud avant Crusher. Mais il nous faut de la vitesse explosive. Pour nous donner de la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Je vais enfin pouvoir m'emparer de tous ces délicieux et succulents. Récupérer le chocolat chaud. Mmh. Et il est toujours aussi chaud et délicieux. Ouh, Zeg est totalement content de boire son chocolat chaud. Partons un toast aux amis super géniaux et aux journées enneigées super géniales. Tiens, regarde Blaze, il y a une tasse de chocolat chaud en trop. Hmm, moi je sais à qui on va en faire cadeau. Coucou Crusher, on t'a apporté quelque chose? Une tasse de chocolat bien chaud rien que pour toi. Rien que pour moi? Mais vous ne m'en voulez pas d'avoir fait toutes ces choses pas très gentilles? Non, on te pardonne Crusher. Souviens-toi d'une chose, c'est toujours plus drôle de partager avec ses amis. Ça alors, merci. Ouh, du chocolat chaud. Oh, c'est tellement succulent, tellement exquis, tellement délicieux.